Hello, hello, welcome, 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 wherever you are. Good evening, good morning, good afternoon, welcome, 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 hello. Yes, welcome. I'm waiting from all those who are coming. Hello, Mr. Brian Lawson. Hello. Hello, hello everybody. To all the listeners on Mamlaka Broadcast Network, hello. Thank you to be there. Thank you, Queen Veronique. Hello. Welcome. Welcome. Thank you. We are on Mamlaka Broadcast Network. Welcome on our special time of daily plugging with Mamlaka Broadcast Network. Hello. Thank you. Hello. Today we'll talk about a special topic: how to escape pressure of life. How to escape pressure of life. Thank you, Queen Victoria. Thank you. I'm Ambassador Gabrielle Ambala from Cameroon. I'm here to talk with you about a special topic. Hello. Thank you. Hello. Hello, thank you for my birthday of today. Thank you. But it's tomorrow. Thank you, Queen Veronique. Thank you. Thank you. Today is a special great day. That's the day that the Lord made. Thank you. Welcome, welcome, wherever you are, whatever you are doing. Good morning, good evening, good afternoon. Welcome on Mamlaka Broadcast Network platform. You are always welcome. Today we'll talk in French because there's many people on Mamlaka Broadcast Network who speak French. It's very important because today we speak in English just for the intro, but we will expose the topic in French. We will have subtitles or captions under the videos. Thank you. How to escape pressure of life? Comment échapper à la pression de la vie? Comment échapper à la pression de la vie? How to escape pressure of life? It's an important subject, an important topic. C'est l'un des sujets les plus importants parce que c'est déterminant pour la société que nous avons aujourd'hui. Nous sommes dans une société tellement sous pression. Tous les jours, nous sommes dans une société qui est oppressée. Les personnes sont oppressées par le système, les personnes sont oppressées par la vie, les personnes sont oppressées par ce qu'ils croient, les personnes même sont aussi oppressées par ce qu'ils ne connaissent pas. Mais tout cela, c'est la conséquence de tellement de choses qui se passent autour de nous et dont nous ne voulons pas voir la réalité. Nous sommes dans une pression absolue, nous sommes dans une grosse pression. Et c'est le moment aujourd'hui, lors de ce daily plugging, de comprendre comment faire pour échapper à la pression de la vie. Parce que le mystère de l'échappement à la pression de la vie est caché dans la Bible. Et c'est un moment très important. Restez connectés. N'oubliez pas de laisser des commentaires sous la vidéo. Don't hesitate to leave comment bottom on the video. Vous pouvez le faire, c'est très important. Laissez des commentaires pour poser des questions, pour savoir concrètement ce qui se passe. Pourquoi est-ce que nous sommes sous pression? Pourquoi est-ce que dans ce monde, à un moment donné, les gens ne savent plus vraiment comment est-ce qu'ils vont se positionner? La pression se positionne partout pour nous faire prendre des mauvaises décisions. Lorsque nous sommes sous pression, nous prenons toujours des mauvaises décisions. Nous nous retrouvons toujours dans des mauvaises situations. La pression vient à tous les niveaux. La pression corrompt. Exactement qui nous sommes, ça corrompt notre entendement, ça corrompt complètement comment est-ce que nous pouvons nous voir. Merci beaucoup pour le joyeux anniversaire, Queen Véronique. But it's tomorrow. Thank you. Thank you. Alors, comme j'étais en train de vous dire, c'est un moment très important parce que nous allons parler d'une des plus grandes maladies que toute la Terre connaît. C'est la pression, c'est le stress. Parce que le stress est en fait ce qui donne le reste des maladies. Généralement, vous allez voir des personnes qui se posent énormément de questions sur le lendemain.
Est-ce que demain je pourrais payer mon loyer? Est-ce que demain je pourrais manger à ma faim? Est-ce que demain je pourrais avoir des enfants? Est-ce que demain je pourrais me marier? Est-ce que j'aurai un bon conjoint, une bonne conjointe? Est-ce que je pourrais avoir un toit sur lequel je pourrais bien vivre? C'est pour cela que vous allez voir dans les sociétés, les gens essayent de faire beaucoup, beaucoup d'investissements pour pouvoir garantir le lendemain. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que les gens n'investissent pas sur la chose essentielle sur laquelle il faut investir. Nous investissons tous les jours de l'argent, du temps, de l'énergie dans des choses qui ne nous rapportent pourtant pas la santé, qui ne nous rapportent pas la paix, qui ne nous rapportent pas la quiétude, qui ne nous rapportent pas la tranquillité. C'est le moment pour nous de savoir comment faire pour échapper. Tout le monde veut vivre le bonheur. Tout le monde veut connaître comment faire pour s'en sortir, pour ne pas se retrouver toujours dans la pression. La pression est la plus grosse maladie que justement le royaume des ténèbres a trouvée pour pouvoir donner aux hommes, pour que les hommes, tout le temps, ne cherchent pas Dieu, mais cherchent autre chose que Dieu. C'est pour cela que quand le Christ est arrivé dans Matthieu, il a fait savoir que les hommes doivent choisir le maître qu'ils vont suivre. Suivront-ils Dieu ou bien suivront-ils Mammon? Parce que Mammon est le Dieu qui est inné de la pression que le royaume des ténèbres a placée autour de nous. C'est un plan gigantesque, un plan tellement gigantesque que nous devons faire attention. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours sous pression? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours dans le stress? Pourquoi la vie, lorsque nous nous levons, nous avons l'impression que les heures ne suffisent pas? Pourquoi nous avons l'impression que le temps n'est pas assez? Pourquoi est-ce que nous avons l'impression que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous? Qu'il y aura toujours quelque chose qui va nous surprendre? Qu'il y aura toujours quelque chose qui va finir par nous décevoir? C'est en fait parce que, premièrement, nous avons de la peine à pouvoir prédire ce qui va se passer demain. Et si vous remarquez, l'économie, la politique, les systèmes fonctionnent pour prédire ce qui va se passer demain. C'est par rapport à cela qu'ils essayent de faire des approximations, de déterminer des plans pour pouvoir faire en sorte que les hommes et les femmes puissent se voir tels qu'ils sont véritablement. Mais malheureusement, ils ne parviennent pas à donner à l'être humain totale satisfaction, vu que nous sommes toujours en train d'insulter les gouvernements qui sont au-dessus de nous. Ici au Cameroun, nous insultons le gouvernement, par exemple Paul Biya. Aux États-Unis, les gens ont beaucoup insulté le gouvernement de Donald Trump. Même Joe Biden, vous allez toujours dire quelque chose de mal. Même pour Barack Obama, vous avez toujours dit quelque chose de mal, tout simplement parce que à un moment donné, on ne peut pas obtenir satisfaction de ces gouvernements parce que eux, ils ne connaissent pas fondamentalement de quoi est-ce que l'être humain a besoin. Nous avons besoin de quiétude, nous avons besoin de bonheur, nous avons besoin de savoir concrètement ce qui se passe. Et l'essentiel de notre stress se trouve dans le cours de la vie. Premièrement, dans le travail. Deuxièmement, dans la famille. Troisièmement, dans nos relations. Voilà les trois points principaux où se trouve notre stress. Alors, ce qui se passe concrètement aujourd'hui, c'est que nous allons répondre clairement à comment faire pour échapper à ce stress. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, le Christ a donné un cadre de réflexion. Il a placé un cadre et il a dit que nous devons penser dans ce cadre, réfléchir dans ce cadre pour pouvoir mieux savoir comment orienter notre but, notre mission, ce que nous avons à faire. Il a dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Il a dit tout le reste, rien qu'en cherchant une seule chose, de le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il a dit quelque chose d'aussi simple, mais d'aussi incroyable, d'aussi presque impertinent? Il se passe que il y a quelque chose de véritablement caché. Nous vivons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons dans la confusion. Parce que nous sommes permanemment avec les esprits dans tous les sens. Nous nous levons le matin, nous cherchons comment nous allons manger. Nous nous levons le matin, nous cherchons comment est-ce que nous allons rapidement aller au travail, rapidement faire ce que nous devons faire, rapidement atteindre les objectifs. Et parfois, ce n'est pas tellement gratifiant. Nous avons de la peine à déterminer notre purpose, notre but, notre orientation, notre objectif. Ce purpose a justement l'objectif à lui encore de nous produire une mission. Mais quand nous vivons déjà sans but et que nous vivons sans orientation, nous vivons comment? Nous allons forcément vivre dans la confusion. Et les gouvernements dans lesquels nous sommes le savent. C'est pour ça que les médias sont là.
les médias amplifient les bruits autour de nous pour nous plonger davantage dans la confusion. Every day, nous sommes toujours dans cette confusion, toujours dans cette période de confusion. Nous entendons des bruits tout le temps. Nous avons de la peine à pouvoir parler à l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Nous avons beaucoup de peine à pouvoir nous dire que nous pouvons nous concentrer vers ce que lui, il a à nous dire. Nous avons énormément de peine à pouvoir entendre sa voix, tout simplement parce que nous ne pouvons pas nous détacher des bruits. Ces bruits sont faits exprès parce que ça a été configuré ainsi, planifié ainsi pour pouvoir nous embrouiller. Partout où nous passons dans la rue, nous entendons énormément de musique à des volumes très élevés. Lorsque nous sommes à côté des gens, ils sont en train de téléphoner. Il y a Internet qui nous envoie beaucoup d'informations, la télévision, les médias qui nous envoient des nouvelles du monde entier pour nous déstabiliser. Quand on dit déstabiliser, vous pouvez penser, comme certains pensent souvent, que c'est une théorie du complot, que non, qu'on veut juste détruire les gouvernements et tout. Mais si vous observez bien ce qui est en train de se passer, c'est la réalité. Nous sommes dans un environnement actuellement tellement confus, tellement diffus. Il y a tellement d'informations que nous ne savons même plus où donner de la tête. Nous ne nous posons même plus la question de savoir, est-ce que l'information que j'ai reçue est juste? Est-ce qu'elle est fausse? Nous buvons juste les informations. Et à force de boire les informations, nous sommes dans la diffusion, dans la confusion. Et c'est à cette diffusion, à cette confusion, à cette embrouille que le Christ est venu repositionner en disant, premièrement, nous devons chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Tout le reste. Si nous cherchons un travail qui est adéquat à ce que nous savons véritablement faire, où nous n'avons pas la pression de devoir satisfaire quelqu'un et ne pas nous sentir à l'aise, il fournira ce travail. Si nous avons besoin d'un conjoint, d'une conjointe qui nous permet de pouvoir sentir que nous sommes en paix, de savoir que nous sommes en train d'atteindre le but réel de notre vie, qui est d'établir le royaume des cieux sur la terre, il nous donnera ce conjoint au moment opportun, comme il faudra, de la bonne façon. Si nous avons besoin des enfants, si les enfants sont véritablement dans le plan qu'il a prévu pour nous, il positionnera ses enfants autant qu'il faudra, de la manière qu'il faudra, et ils seront comme il faudra. Il permettra que ces choses se passent comme il faut. Nous ne serons pas dans les embrouilles. Il disciplinera notre esprit par son esprit à lui, de manière à ce que nous puissions nous retrouver clairement dans la réalité de ce que nous devons savoir. Qu'est-ce que nous avons à savoir? Nous avons simplement à savoir que, en nous focalisant uniquement sur le royaume, en faisant uniquement du royaume notre priorité, alors directement, nous pourrons connaître concrètement ce que nous avons à faire, concrètement là où nous devons aller et concrètement ce que nous devons penser. Parce que ce que nous pensons est ce qui produit nos actions. Et ces actions qui sont produites nous positionnent et nous font bien plus tard commencer à prendre des décisions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la confusion et la diffusion que le monde nous impose nous oblige à prendre de mauvaises décisions. Et ça nous met dans le stress parce que nous prenons des décisions pour parler le lendemain. Nous prenons des décisions pour pouvoir contrôler le lendemain. Aujourd'hui, il y a une grosse dépense qui est arrivée, je dois payer telle chose. Comment faire? Je vais devoir restreindre peut-être mon budget de l'école des enfants pour pouvoir dépenser sur cette chose qui est plus urgente et qui est beaucoup plus dangereuse. Mais non, si nous avons la possibilité de connaître l'Esprit de Dieu à travers le royaume, c'est différent parce que nous pouvons mieux apprécier les circonstances et toujours moins paniquer. La panique est le résultat du stress dans lequel nous sommes tous les jours. Celui qui est incapable de rester au-dedans de lui et de réfléchir a beaucoup de peine. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 6, verset 34, il dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du lendemain parce que le lendemain a déjà soin de lui-même. Ça veut dire que comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes samedi, la chose la plus importante, c'est que le lendemain aura soin de lui-même. Il ne va pas commencer à se demander « Ah, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Ah, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Nous n'avons pas besoin de nous sentir stressés. Vivons pour la journée d'aujourd'hui. Dieu fait le reste pour nous. La journée qui arrive est une nouvelle journée avec de nouvelles bénédictions. Parce qu'il dit dans le livre de Matthieu que les choses que les païens cherchent, ces choses-là, il les a déjà apprêtées pour nous. Et comme il les a apprêtées pour nous, pendant que les païens sont en train de les chercher, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Alors ne nous inquiétons pas. Ne commençons pas à nous demander « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir régler? Est-ce que ce problème, je vais le résoudre ?» Toujours le stress, toujours les questions, tout le temps, à toute seconde et en tout moment. C'est le moment pour nous de nous dire de ne pas stresser, de ne pas être sous la pression, de ne pas commencer à réfléchir, de ne pas avoir peur. Parce que le stress provoque en nous la peur, ça provoque en nous l'incertitude. Le lendemain a déjà soin de lui-même. Matthieu chapitre 6, verset 34. « Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Chapitre 6, verset 33.
Là, dont les deux clés qui sont vraiment importantes pour savoir comment échapper à la pression de la vie. Remember how to escape to the pressure of life. How to escape. Remember every time. Seek the kingdom of God and his righteousness and tomorrow take care of himself, of itself. It's very important. Thank you. You are on Mamlaka Broadcast Network. It was Gabriela Mbala from Cameroon. It was a pleasure for me. Thank you. And let's see next time.